c'est ça qu'on attendait depuis longtemps. Comme une nouvelle équipe, la moitié de l'équipe c'est des nouveaux joueurs et on a besoin de repères. Et c'est vrai qu'à l'entraînement tout est beau, tout va bien. Et il y a que la vérité du match, quoi. Donc il fallait qu'on joue. Il fallait vite qu'on joue. Voilà, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses à régler. Mais on savait qu'on s'attendait à ça, quoi. Pour l'instant, on sort sur une victoire, donc plutôt un point positif, même si on s'est dit qu'il y avait beaucoup de choses à travailler. On venait ici pour se tester surtout sur l'engagement, le combat et les valeurs qui font un peu notre sport, parce qu'on savait très bien que sur les repères et sur tout ce qui est système de jeu, il y aurait des échecs, il y aurait des mauvais choix ou des mecs un peu perdus, mais ça, honnêtement, ça s'est pas trop senti, même si on sait qu'il y en a encore du long travail à faire. Mais on sort, ouais, pour l'instant, plutôt content de ce match, même si on sait très bien que c'était pas exceptionnel du tout. Ah, le groupe, ça se passe très très bien. Je crois que depuis que les recrues sont arrivées, tout le monde s'entend bien. Il y a une très bonne entente, que ce soit dans le vestiaire, sur le terrain, tout le monde communique, tout le monde partage. Donc, pourvu que ça dure, parce que c'est vraiment agréable. Ça a été très dur, physiquement, avec la chaleur. Les premiers contacts, il a fallu beaucoup se déplacer. Ça envoyait un peu dur au début, donc c'était un peu dur. Après, on a mis peut-être un peu de temps à rentrer dans le match. Ouais. Après, on a réussi à lancer 2-3 actions, notamment devant. On a fait des choses pas trop mal, des choses qu'on avait travaillées. Après, bon, il n'y a rien de parfait, hein, c'est normal, c'est un premier match. Il y a du bon et du moins bon, des choses à travailler, c'est normal, c'est le premier match. Le résultat est positif, on a gagné. Gagner un match est toujours positif. Après, on n'a pas fait un match aujourd'hui, on n'a pas eu une équipe de Pro D2 en face. Sans être prévenu, il y avait on va dire 70% de joueurs qui ne jouent pas en Pro D2. Bon, mais c'est, faut comprendre, on arrive de Fédéral 1. Hein. Voilà, on nous a traités comme des petits. On sait qu'on est pris pour des petits. À nous montrer qu'on peut être des grands, voilà, c'est tout. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain et gagner sa place. C'est, voilà, inscrire vraiment le nom de Nevers, on le sait maintenant. Vraiment inscrire le nom de Nevers dans le Pro D2. Et ça se fera sur le terrain, par les joueurs, par l'engagement qu'on y mettra, par les victoires qu'il faudra aller chercher.